contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo sera sur un holochamp et suivie d'un méga hall action. Donc, je voudrais faire une petite parenthèse, donc rapidement. J'avais dit ça à Jérôme Pierreuse, que j'allais parler de lui. Donc, je vais parler de sa chaîne. Je vous demanderai de l'encourager et surtout de vous abonner, bien sûr, à ceux qui veulent, bien sûr. C'est pas forcé, mais ça serait bien si vous pourriez vous y abonner à sa chaîne. Donc, il prépare un concours pour ses 250 abonnés. Donc, je vous invite donc à aller le voir. Il s'appelle Jérôme Pierreuse, artiste peintre. Voilà, donc il fait des jolis portraits, des jolis tableaux. Il fait de temps à autre des hauls sur ce qu'il trouve comme voilà. Et d'autre part, si je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est parce que, comme je vous ai dit, il fait un concours pour 250 abonnés. Et donc, ça serait sympa d'aller le voir. Si j'aurai le temps, de vous mettre son lien de sa chaîne. Donc, voilà. Donc, bon, il est sympa avec tout le monde, hein, bien sûr. Hein, donc, c'est un artiste peintre. Quoi vous dire d'autre? Ben, il fait des jolis tableaux. Hein, voilà. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder. Sur ce, abonnez-vous, voilà, allez le voir, abonnez-vous à sa chaîne et ça serait sympa. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Je vais commencer par un haul au champ. Donc j'ai fait quelques petits achats. Donc j'ai fait un achat sur un maillot, c'est du 10 ans. Donc, et ça je l'ai payé pour ma petite dernière, c'est 3,99 €. Donc, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est un maillot bleu, hein, vous voyez. Donc, ce qu'elle aime bien, ce sont les strass que vous voyez là, ici. Donc, ce qui est bien pour elle, c'est qu'on puisse changer. Et puis, donc, c'est un petit poisson. Voilà. Donc, sympa. Voilà. Donc ensuite, je vais attaquer, toujours hein, pour la petite dernière. Donc, elle en a déjà utilisé une paire, donc je lui en avais acheté deux. Donc, c'est du 8-10 ans, donc c'est 1,99 € et c'est une paire de collants. Voilà. Donc, elle a utilisé déjà la première, donc ça lui va très bien. Voilà. Donc ensuite, je vais passer toujours pour la petite dernière, hein, donc j'y suis. Donc, je lui ai repris du mix à bébé, lait de toilette très doux, vitamine E. Huile d'amande douce, nouvelle formule, 2,14 €. Voilà. Donc, à la base, il nous fait 250 ml. Voilà. Comme ça. Et ça sent super bon. Je lui ai pris une lotion. Alors, la lotion nous fait 200 ml. Et donc, c'est Biolan, eau de toilette fraîcheur. Voilà. 2,84 €. 2,84 € et donc je peux vous dire que l'odeur sent divinement bon. Oh, ça sent super bon, ça sent le bébé. Ça me rappelle quand elle était bébé, je lui en mettais. Je lui en mettais sur un coton et je frottais le coton sur ses petits cheveux, enfin pour ce qu'il y avait. Voilà, donc j'aimais bien. Voilà, et je continue toujours à lui en prendre. Hein. C'est pas un mal, donc voilà. Ensuite, je lui ai pris un paquet de coton, et oui, hein. Donc, de la marque Cosmia, donc 1,99 €, voilà, donc massicaré sensitif, 100% coton, résistant, désolé, ne peluche pas, voilà, donc x80, voilà, et donc il y a des petits motifs, comme vous pouvez le voir, alors il y a un éléphant, un ours, ouais, des ours, et ça doit être un hippopotame, je suppose, et avec des petites fleurs, trucs comme ça. Voilà, c'est très sympa. Vous voyez? Voilà, x80, donc ça lui en fait quand même pas mal. Voilà, donc ensuite, pour moi, j'ai pris des cotons de la marque Auchan. Donc, sensitive, touché, soyeux, x50. Voilà, comme ceci. Et donc, ceci, je les ai payés 1,19 €. Hein, voilà, 1,19 € fois deux paquets.
Ensuite, ben, dans la Marcoloise, je passe à des normales. Il y en a fois 30, flexibles et confort. Ils nous font 2 mm. Donc ça, je les ai payés 1,78. Voilà, 1,78. Voilà, donc ce sont des protège-slip. Donc ça, c'est des Extra Protect, toujours dans la même gamme. Hein. Donc c'est les mêmes, mais sauf que ils sont extra larges, je crois. Voilà, extra peut-être. Il y en a fois 26 larges. Et donc 1,94. Voilà. Donc ensuite, je me suis pris pour la première fois du bien-être vital. Alors ça, c'est une eau vitale. Je ne sais pas si vous connaissez. Eau de soin pour le corps, aux essences naturelles, hydrate, rafraîchit et tonifie. Voilà, donc ça, je l'ai payé 6,89 €. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y voir le prix en rapprochant peut-être un peu. Voilà. Et donc, à la base, on en a pour 200 ml. Et je peux vous dire que l'odeur, c'est une folie. Waouh, ça sent trop bon. C'est d'une fraîcheur. Vraiment, j'adore. Voilà, rien à redire. Ensuite, je passe alors, c'est de la marque Cosmia, c'est une crème pour les mains à la fleur de cerisier. Et donc, à la base, elle nous fait 2,99 €. Voilà, 2,99 € et pour 30 ml. Voilà, je peux voir tout le petit tube, c'est comme ça. Voilà, très sympatoche le packaging. Voilà, donc c'est pour les mains, une crème pour les mains. Donc on verra bien hein, ce qui en est. Hein. Je vous dis bien, j'achète des crèmes pour les mains et si ça ne me convient pas, poubelle. Je passe à des savons, palme olive. Voilà, palme olive. Ça sent trop bon. Ça sent vachement bon. Et donc ça, je l'ai payé ben, 0,68 centimes. C'est vrai qu'il n'est pas. Ça ne se voit pas tellement bien, mais voilà. Ensuite, Cléopâtre, j'ai repris du Cléopâtre, 0,93 centimes. Voilà, donc Cléopâtre, ça aussi, ça sent vachement bon. Rien à redire, hein, bien sûr. Et le Mont-Saint-Michel, savon Cologne, fraîcheur, et 0,93. Voilà, donc là, pareil, hein, c'est comme ça. Ça sent vachement bon. Je peux vous dire, ça sent vraiment bon. Petit haul au champ est terminé, donc on passe à Action. Donc chez Action, j'ai pris des couverts, enfin des voilà. Donc j'ai pris, il y en a, j'en ai pris que 4. J'ai pris 4 bols comme ceci, voilà. Donc pour le prix de 99 centimes de chaque, voilà. Donc pour le matin, voilà, hein. Très bien hein. Pour le petit déj, sympatoche, hein. Voilà. Par contre, j'étais obligée de leur demander des papiers comme ça parce qu'ils n'émettent plus ce que les gens prennent, et puis voilà quoi. Ensuite, j'attaque à des assiettes. Donc, j'en avais pris 6. Donc, je vais vous en montrer qu'une hein, à la base. Donc, 99 centimes. Voilà. Donc, c'est en verre. Voilà, avec des motifs. Comme vous pouvez le voir, des jolis petits motifs, des assiettes plates. Voilà. Donc très bien. Vous voyez. J'en ai pris x 6. Voilà, pour 99 centimes de chaque. Voilà. Ensuite, je passe à des lots. À des lots de tasses. Donc, ce qui est très bien. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, vous en avez sur plusieurs coloris. Hein. Vous voyez la première rangée, hein? Voilà. Et sur la deuxième, c'est comme ça. Voilà. Et donc pour le prix de 3,80. Ouais, 99. 3,99. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça vaut le coup, il y en a fois 6. Donc vraiment, ça vaut le coup. Hein, pour ceux qui ça intéresse, ben, tentez votre coup. Hein, voilà. Hein. Moi, je trouve ça très sympa. Ensuite. Pour mon chat, eh oui, pour mon chat, donc mon mari lui a pris un sac avec qui fait du bruit à l'intérieur,
1,99. Voilà. C'est pour qu'elle se mette dedans. Voilà, pour qu'elle y joue, qu'elle trouve ça sympa. Quoi. Pour qu'elle adore des voilà. Fois. Comme ceci, c'est un sac. Vous voyez, là. C'est bien. De toute façon, vous avez le modèle là. Voilà, désolé pour le bruit, ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris des mouchoirs. Alors, les mouchoirs, j'en ai pris deux paquets. Donc les mouchoirs, j'ai noté le prix, mais alors, il n'était pas trop visible, 99 centimes, voilà. Donc on en a 10, hein, 2, 4, 6, 8, 10, il y en a fois 10. Donc là, il y a deux paquets qui ont été déjà pris, voilà. Donc toujours utile, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc ensuite, pour le chat. Alors ça, j'ai mon mari qui, plusieurs fois qu'on va chez Action et qu'il remarque les lingettes pour soit pour chat ou chien. Hein. Et donc, je lui dis, pourquoi tu n'en as pas pris? Donc là, je lui dis, allez hop, il faut qu'on en prenne, qu'on teste pour voir. Donc j'ai testé, mais bon, elle n'est pas trop habituée à ce que je, voilà, que je lui fasse sa petite toilette avec. Donc... bon, pour 99 centimes, vous allez me dire, hein, c'est presque rien. Hein. Voilà, à tout casser. Voilà, il y en a fois 20. Et je peux vous dire que l'odeur, ça me fait penser à l'odeur des lingettes pour bébé. Non, mais lol, c'est pareil. Et quand j'ai lavé Rumina avec, je peux vous dire qu'elle sentait toute l'odeur des lingettes. Vraiment, c'était... Ah, ils sont vraiment chouettes. Ouais, pour pas cher en plus. Ensuite, je passe alors à un petit coffret comme ceci à 2,80, à 2,49. 2,49. Voilà, 2,49. Et c'est un, comment, un diffuseur de bougies. Alors, il y a une bougie et un diffuseur. Voilà, comme ceci. Voilà. Très sympa. Donc, on verra bien hein, pour 2,49. On testera et on verra bien. Voilà, donc je pense que pour le tout, maintenant on va passer, je passe dans les produits cosmétiques, etc. Donc vous connaissez. Hein. Donc là, j'ai passé à deux paquets de lingettes. Oui, ça vaut le coup. Vous allez me dire pour le prix, ça vaut même pas pour un 1,50. Alors c'est, ah non, c'est un peu plus quand même, c'est 1,99. Mais je peux vous dire que ça vaut quand même le coup. Voilà, il y en a fois 100 et je peux vous dire que c'est tip top quand il y en a fois 2 paquets pour le prix de 1,99. Donc ça vaut le coup. Ensuite, j'ai repris des gants. Voilà, les gants que je prends d'habitude hein, pour bébé, 1,99. Voilà, pour se rafraîchir, 1,99. Voilà, il m'arrive d'avoir souvent des maux de tête, des trucs comme ça. Donc j'aime bien des fois me rafraîchir un petit peu le cou. La nuque et tout ça, c'est une fois 18. Voilà, c'est super. Ensuite, je passe alors de la marque Nivea. Ça, c'est pour mon mari. Donc, 48 heures. Sensation de fraîcheur. Déodorant. À la base, il nous fait combien? Il nous fait 150 ml. Et pour le prix, c'est 1,79. Voilà, 1,79. Comme ceci, voilà. Donc, hop, donc ensuite pour les garçons, je leur ai repris de la marque Bifast. Ce sont des petits déodobies comme ceci, comme vous pouvez le voir. Voilà, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Voyez, donc à la base, ça nous fait 50 ml. Donc le prix, j'ai pas dû le mettre, mais je pense, si, 0,99 centimes, voilà, 99 centimes de chaque, voilà, donc ils s'en plaignent pas, donc c'est très bien pour eux. Ensuite, styling gel, donc c'est un gel pour fixer les cheveux, voilà, donc ça, le prix 98 centimes, voilà, pour 150 ml, hop, pas trop m'éterniser non plus. Je leur ai pris aussi, j'en ai pris deux comme ceci, pour les garçons, même marque que les Déobie, Bifast Gel Douche, Men 2 en 1, c'est un 2 en 1, alors il fait shampoing et douche, voilà,
Donc 500 ml. 1,79. Voilà. 1,79. Donc ensuite, je passe alors. Petite nouveauté. Alors, il y en avait un troisième comme ça, mais je ne l'ai pas prise parce que j'ai voulu tester les odeurs un peu. Et l'autre bouteille ne me plaisait pas. Au niveau de l'odeur, c'était pas tip top. Voilà, donc pour ma part, 1,79 de chaque. Voilà, et ça nous fait 235 ml. Alors, je peux vous dire que l'odeur, elle est super là. Vraiment, un packaging vraiment sympa quand même. Ouais. Et celui-ci, j'aime bien aussi. L'odeur, elle est subtile. Voilà. C'est super. 1,79 de chaque. Alors, petite nouveauté. Alors, j'ai déjà vu ça dans des halls. Alors, je ne sais pas où, mais je sais que j'en ai vu pas mal. Et donc, il y avait les petites nouveautés, là. Des petits arrivages de la collection Bananas. Alors, bananes. Non, moi, j'en ai pris qu'un paquet parce que je peux vous dire que j'ai une collection de boules de bain. Mais alors, à craquer, je crois qu'il va me falloir une autre corbeille pour y mettre les boules de bain. Ah, non, mais lol, vraiment, vous allez dire, mais allez, mais non. Quand on fait la collection, hein, toute personne peut faire de la collection de rouge à lèvres, de baume à lèvres ou tout autre. Hein. Bon, bref, passons outre. Donc là, j'ai pris des boules de bain, voilà, hein, donc j'aimerais bien quand même, voilà, donc il y a un clip après pour refermer, donc ça risque rien, hein. Donc je vais voir, donc j'avais mal ouvert le paquet, donc ce que je peux dire c'est, ce sont les bonbons comme le banane, comme ça, bon après il y a un étui dessus, donc une protection, mais en principe, quand j'achète des boules de bain, ça passe à travers. Mais bon, là, je vois pas l'utilité. Enfin, l'utilité. L'odeur. Je sais pas. Je peux pas vous dire, mais ça sent pas vraiment la banane. Mais bon, voir après, quoi. Donc, voilà. À la base, j'ai dû payer ça 99 centimes. Donc, pas demander de plus, hein, le prix même pas pour 1 euro. Ensuite, là nous passons sur une 200 ml, donc j'ai trouvé le lait corporel, voilà, nous allons y arriver, le lait corporel, donc après je peux pas vous dire si le lait corporel sent vraiment bon. Alors là ça sent vraiment la banane, je peux vous dire. Waouh, wow, ça sent trop bon. Ah ma chérie, qu'est-ce que t'en dis? Ça sent trop bon, vraiment, ah, ouais, ça sent comme le bonbon, la banane, mais la banane tout simple. Oh, ça sent trop bon. J'ai envie de manger. Oh, je suis trop contente d'avoir trouvé la collection, mais alors après, j'ai pas trouvé le reste, donc je sais pas. Je peux pas vous dire, à moins qu'il faut peut-être aller dans les... mais bon, pour la prochaine fois, on verra bien déjà. J'ai trouvé quand même, donc je suis contente. Et ça, je l'ai payé 1,19, ouais c'est ça. 1,49, désolée. 1,49. Voilà. Donc ensuite, petite nouveauté aussi. Bon, nouveauté, on va dire ce que je vous ai montré. C'est pas vraiment une petite nouveauté. Hein. Pour moi, oui, mais pour vous, non. Parce que, certes, quand j'ai vu vos vidéos, je sais plus vers qui, mais bon, voilà. Je peux pas toujours retenir. Mais bon, ça aussi, je les ai vus dans vos hauls, je crois. Donc, ce sont les collections cocktails. Voilà, j'en ai pris une, deux, trois, quatre. Voilà, aux 400 heures. Hein. Il n'y en avait pas d'autres. Donc, moi, j'ai pris la totale. Donc, au prix de 99 centimes. Donc, ça vaut le coup. Donc, là, nous sommes sur Margarita. Ce sont, c'est pas des sels de bain. Hein, c'est en poudre. Donc, faut voir. Donc, voilà. 99 centimes, Margarita. Ouais, pour 60 grammes. Après là, c'est Mojito. Voilà, Mojito. Si je le prononce bien, hein, sinon, ben, faites-moi savoir. Hein. Cop Monopolitan. Ouais. Cop Mopolitan. Ou Politan. Enfin, je ne sais pas. Bon, bref.
Voilà. Et donc là, nous sommes sur sexe. Ouais, c'est du dépêche. Dépêche. Bref, j'arrive pas à le prononcer, désolée. Mais voilà. Donc, je pense que ça sera nickel, hein, je pense. Hein. Donc, voilà. Donc, on testera, on verra bien. Ensuite, là, je pense, petite nouveauté pour moi. Donc, je dis bien, après pour vous, je ne sais pas. Mais là, je passe à des... alors, déjà, le prix, 95 centimes. Alors, disons que devant, il n'y a rien d'écrit en français. Même la partie du haut, pareil. Mais après, vous avez en bas, vous avez en français. Donc, c'est déjà quand même bien. J'ai eu peur que, voilà quoi. À ce qu'ils nous disent, c'est un masque tissu, illumine le teint. Alors, vous avez les explications à l'arrière. Alors, si je suis bien, vous prenez la lingette du haut. Voilà, vous prenez la lingette du haut, vous la dépliez et vous faites introduire le liquide à l'intérieur. Vous l'imbibez et ensuite, vous le laissez poser. Et puis, ils nous disent combien de temps, etc., je suppose. Après, je ne sais pas si c'est à rincer, mais bon, à voir, j'en ai pris deux. Voilà, donc déjà, c'est suffisant, 99 centimes. On verra bien. Donc ensuite, là, je passe à la marque Garnier. Là aussi, hein, c'est une marque Garnier. Ouais, c'est une marque Garnier. J'aime bien la marque Garnier. Skin Active. Donc, ce qu'ils nous disent, là, c'est un pour 95 centimes, 15 minutes. Voilà. Donc, ce qu'ils nous disent, à l'arrière du paquet. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est un masque tissu noir. C'est un tissu noir purifiant, hydratant et matifiant. Voilà, au charbon végétal, extrait de thé noir, plus acide hyaluronique. Voilà, donc laissez poser 15 minutes. Voilà, et donc après je pense que inutile de rincer, hein, je pense, hein, donc il faut voir après. Donc j'en ai pris x2, voilà, pour 95 centimes. Donc ça vaut le coup, hein, de la marque Garnier. Ensuite... Là, ce ne sont pas des petites nouveautés, j'ai vu ça, par contre, il y a très peu de temps. Si tu passes par là, mamie Corinne, enfin, plus ou moins, j'ai trouvé, parce que j'ai vu ça dans son haul Action, elle a fait une petite nouveauté. Alors, je ne sais pas si c'est spécial Saint-Valentin ou je ne sais pas, mais bon, c'est très sympa. C'est, ce sont des rouges à lèvres, gloss. Vous avez deux teintes. J'en ai pris une dernière pour ma petite dernière. Donc, elle est toute contente. Elle est heureuse d'en avoir un comme ça. Donc, j'ai pensé à elle. Donc, ce sont des roses. Alors, vous me connaissez. Moi, j'adore les roses. Voilà. Donc, c'est une petite rose. Voilà, c'est très sympa. Juste tester avec vous. Voilà. Par contre, il n'y a pas la couleur. Enfin, il n'y a pas le numéro de la couleur. La teinte. Voilà. C'est un peu dommage. Donc, on va voir. Donc, je sais pas. Ouais, voilà, c'est comme ça. Alors, après, au niveau de l'odeur, mamie Corinne a dit qu'il n'y en avait pas. Alors, je veux bien la croire parce que... Bon. Ouais. On va voir la texture. Donc, après, ça reste un gloss, quoi. Non, ça sent pas. Il n'y a pas d'odeur. T'as raison, mamie Corinne. Voilà, ça reste comme ceci, c'est glossy, bon c'est sympa quoi, voilà, c'est très joli de vous dire le prix tout de même, ah oui, 99 centimes, donc ça va, hein. C'est pas excessif, hein, vous allez me dire, hein. C'est pas comme sans le magasin Sephora, ou Yves Rocher, ou dans les grandes surfaces de marques, donc voilà, hein, tout dépend les marques, mais là bon, quand même, c'est sympatoche quand même, hein. Une jolie petite rose. Donc, voilà. Bon, je vais tester celui-ci, juste pour voir. Ah, ça sent quand même. Ah si, ça sent là, celui-là, il sent. Ouais, ça sent le bonbon. Ouais, ça sent. Ah, je vous dis pas de conneries. Ah ouais. Ça
Ça sent pas la rose, mais ça sent comme c'est fruité. Oh, c'est génial. C'est trop top. Voilà le rose. Ici, c'est un peu plus clair que le rouge. Voilà. Oh, j'aime bien celui-ci, par contre. Le rouge, ça va. Vous pouvez le mettre par-dessus un rouge à lèvres rouge. Que ça fasse un peu glossy. Et le rose par-dessus un rouge à lèvres rose. Voilà, comme je porte. C'est celui de chez que j'avais pris chez Sephora, la marque Barbie. Voilà. Mais là, c'est sympatoche. Voilà. Et le dernier sera pour ma petite dernière, bien sûr. Hein, parce que c'est pour elle que je lui ai pris. Ensuite, petite découverte. Alors ça, je ne l'ai pas vu dans vos hauls. Donc, je pense que c'est une petite nouveauté. Donc là, je passe à des lots de pinceaux. 3,99€. Voilà. Et donc, ce sont des pinceaux à bambou. Ce qu'ils nous disent à l'arrière. Alors, oui, pinceau de maquillage, 5 pièces avec manche bambou. Le manche bambou. Voilà, donc ils expliquent à l'arrière à quoi servent les pinceaux. Voilà, vous avez un pinceau. Alors, le premier, c'est un pinceau. Ils sont très doux, par contre. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est très sympatoche, quoi. Ouais, c'est super, c'est doux. C'est génial. Et voilà, le manche est à bambou. C'est comme la boîte que je vous ai montrée avec la glace. Ben, c'est à bambou aussi. Donc, c'est sympa, quoi. Alors, ça, c'est à poudre. Le deuxième, c'est un pinceau biseauté, mais pour le fond de teint, à ce qu'ils nous disent. Mais bon, à la base, moi, ce ne sera pas pour le fond de teint. Hein. Désolée. Après, chacun son opinion. Chacun fait ce qu'il veut. Donc là, c'est un pinceau pour estomper. Moi, je parlerai plutôt pour estomper. Hein. Voilà. Très bien. Il est très... il est doux aussi, hein, mais très extra large. Voilà. Très bien. Vous voyez, hop. Comme ça. Voilà pour le troisième. Le quatrième, il nous fait un peu comme ça. Vous voyez, il est rond. Très bien pour mettre dans le creux de paupière. Pour bien travailler avec. Voilà. Et le dernier... C'est un pinceau biseauté, là aussi, très bien pour y mettre du crayon, du fard en dessous, voilà. Ou alors, voilà. Après, c'est votre choix, c'est vous qui voyez, donc, voilà. Alors, à la base, nous avons 5 pièces. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Voilà, pour 3,99€. Donc, c'est sympatoche. Hein. Ensuite, je passe à des merci petits. Voilà. Ce sont des petits chocolats comme ça. Mais je pense que ça a le goût de café. Donc, ce qui serait très bien, c'est de faire en accompagnement d'un café. 1,99€. J'en ai pris deux paquets. Donc, comme vous me connaissez, hein, je vais goûter. Oui. Goûter. Oh, c'est sous forme de petites papillotes comme ça. Donc on va goûter. Ouais, ça sent le café. Très sympa pour offrir quand vous avez des invités. Ou... C'est très génial. Vous le mettez à côté d'une tasse, d'un sous-plat. C'est trop bon. Je vais y faire goûter à mon mari. Il adore le chocolat blanc. C'est trop bon. Ah, pour qui ça intéresse, je vous dis, lancez-vous là-dedans parce que vraiment, ça vaut le coup. À offrir pendant un petit café comme ça, c'est sympa. À vos amis, à vos proches. C'est doux, c'est fondant. C'est pas fort du tout. Et ça fond dans la bouche. Voilà, nous passons sur le loisir créatif, comme je viens de le dire. Donc, j'ai repris des perles. Vous savez, les fameuses perles. Donc, j'en ai pris celles-ci. J'en ai pris deux paquets des mêmes. Parce que je ne les ai pas. Donc, j'ai pris de couleur vert, comme ça. Ils sont vraiment très, très, très sympas. Très jolis, je trouve. Pour 74 centimes. Pour le prix, ça ne change pas. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, nous passons sur des pochettes organza. Donc, il y en a fois. Bah, je sais pas. Il y en a
Ouais, pour le prix de 94 centimes, c'est ça, 94 centimes. Donc après, je ne peux pas vous dire combien il y en a. Mais bon, c'est déjà bien, je trouve. Voilà, j'en ai pris en gris. Ce sont des petites roses, hein. Gris et rose. Voilà. Voilà, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps. Ensuite, j'ai pris des petites paillettes, des petites strass comme ça. Voilà, un lot de 2, 4 et 6. Ce sont des gris de couleur or, argenté plutôt. Et là, un peu rose, rouge. Voilà, et ça, je l'ai payé combien ? 99 centimes. Désolée, 99 centimes. Donc, comme ça et comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je passe. Alors, ce sont des stickers, je crois. Ce sont des stickers. Alors, il y en a fois 8, je crois. 8, pas des stickers. Ce sont des, des mélanges de comment ? Des mélanges d'étiquettes en bois. Voilà, sont en bois avec la ficelle, vous savez. Voilà, comme ceci. Alors, vous en avez comme ça. Vous en avez des couleurs un peu crème, vert, ou on peut dire bleu, blanc et rose. Et là, je les ai pris comme ça. Voilà. Deux paquets. Alors, ça nous fait... Pour le paquet, 75 centimes de chaque. Voilà, 75 centimes de chaque. Ensuite, je passe à des stickers. Ce sont des fleurs. Des fleurs en tissu. Des fleurs en tissu, 79 centimes. Voilà, de couleur rose. Et de couleur violet. Rose, violet. 79 centimes et vert. Ça, ce sont les petites nouveautés que je n'ai pas. Donc, sympa, je peux dire. Et là, nous avons des rosaces. Vous savez, pour 79 centimes. Voilà, stickers autocollants. Ah, ils sont très jolis. En forme de cœur. Ouais. Comme ceci. Vous voyez, pour 79 centimes. Le prix est là. Voilà. Et là, vous l'avez en... Comme ceci, il y a du bleu. Voilà, j'en ai pris deux paquets. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser non plus. Je vais passer alors à des petits 3D. Ce sont des, comment, des petits blocs de peinture de perles. Voilà, il y en a fois 3 dedans. Il y a un rose, un jaune, un bleu. Un jaune, un rose et un bleu là. Et donc là, je passe à comment? Et ça vaut 99 centimes. Voilà, 99 centimes, il y en a fois 3. Un vert, un bleu et on va dire comme un... Alors, comme, je sais pas, un jaune, mais très, très, très foncé. Par rapport à celui-là, il est plus clair. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, petite nouveauté que j'ai vue dans les halls. Alors, j'ai trouvé la fameuse palette, aquarelle. Voilà, comme ceci. Et à nouveau, 1,99. Voilà. Donc, à la fin, je vous montrerai les couleurs. Donc là, j'ai pris petite nouveauté hein, aussi. Voilà, donc nous passons sur des, sur des stylos, des marqueurs métalliques. Et donc, ça vaut 1,64. Voilà. Donc là, j'ai pris un vert métallique, bleu métallique et jaune métallique. Là, je passe sur un doré métallique, un rose métallique et un orange métallique. Voilà. Donc, très bien. Je pense vous faire un petit crash test de tout ça. Je ferai peut-être une petite vidéo. Voilà. Donc, ensuite, je passe. Alors, ça, c'est petite nouveauté aussi qui est très, 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 très sympa. Moi qui travaille sur des pots de verre pour faire des vases ou pour, des fois quand je ferai des concours, faire des choses très bien. 1,59 de chaque, voilà. Les autres aussi, hein, de chaque pour le prix, hein. 1,59 de chaque. Donc là, je passe sur un bleu clair, un vert, un jaune, un rose et un violet. Voilà. Donc, ce qu'ils nous disent...
Là aussi, c'est un. Il y a un noir, un blanc, un vert foncé, un rose, un rouge et un bleu. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc, voici, c'est pour différentes surfaces comme le verre, la porcelaine et le métal. Voilà, etc. Voilà, etc. Donc, laissez agir, laissez sécher pendant 10 minutes. Voilà, puis ben, ça nous fait des jolies petites choses comme ça. Voilà. Voyez, hop. Désolée si je prends un petit peu de temps, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, à la base pour celui-ci, c'est comme ça, hein, pareil, de même. Sauf que celui-ci, c'est un peu plus clair. Et ces stylos sont un peu plus foncés. Voilà. Donc, à ce qu'ils nous disent dessus, c'est des marqueurs à base d'eau. Voilà, c'est de l'encre à base d'eau. Donc, c'est sympatoche, hein. Donc, pour le prix, ça vaut vraiment le coup, hein. Voilà, comme je vous ai dit, 1,59 de chaque. Donc, très bon. Là, mon mari m'a fait un petit bol de chocolat chaud avec les. Voilà. Donc, je vais finir avec. Alors, j'avais pris un stylo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que là, je sais ce que c'est, mais apparemment, c'est pas sur embranchement. Alors, stylo graveur, c'est ce qu'on dit, bien sûr. Il n'y a pas de truc. Voilà, c'est vendu juste avec le stylo. Et il faut mettre deux piles, je crois. Ouais, il faut des piles. Il faut des piles. Ouais, c'est des piles. Mon mari de couper pour le stylo au graveur, vous savez, juste pour vous montrer. Donc là, je passe sur une planche de set de bijoux. Donc c'est compris avec des bijoux pour 3,99. Voilà. 3,99. Ça aussi, je l'ai vu dans les halls, mais dans les arrivages, je crois. C'est bon? Ah, merci. Hop. Voilà, hein, je pense qu'il y a juste ça. Donc voilà. Et je pense que là, c'est pour allumer. Ah, c'est mignon. Donc après, voilà. Donc là, c'est des piles. Voilà. C'est des piles. Voilà, puis après on referme. Bref. Voilà. C'est de l'autre sens. Pour ouvrir, c'est comme ça. Et pour refermer, c'est de l'autre sens. Voilà. Puis alors après, bah, ça chauffe. Hein. Donc après, il faut mettre les embouts. Et puis voilà. Donc déjà, j'en ai un, mais je pense qu'il est. Enfin, je pense. Il est à courant. Voilà. Donc pour le prix, 1,99 €. Hein. Bon, c'est pas cher. Voilà, donc là je vous montre la planche avec les bijoux. Donc vous avez des petites voilà, des petites choses comme ça. Nous avons la pince. Alors ça, j'en ai pas mal. Nous avons la petite planche, hein, voilà, comme ceci. Alors, vous mettez vos perles, hein, puis vous. Voilà. La petite pince, ça je vous ai montré. Voilà. Nous avons des petits sachets, un petit sachet comme ça de perles roses, du fil, un autre petit sachet de couleur bleue, des perles. Ça, ce sont des petites attaches. Voilà. Ça doit être des petites breloques, qui est très bien d'ailleurs. Donc ça, franchement, je n'en manque pas, moi. Voilà. Voilà. Donc, je fais vite quand même. Il y en a pas mal. Voilà, ça, c'est une chaînette. Si je prends dans le mauvais sens, ça ne va pas le faire, mais bon. On sait tout de suite à quoi ça sert. Donc, voilà. Ensuite, nous avons encore du fil, une ficelle. Ça, c'est pour faire les boucles d'oreilles. Voilà, des attaches, des anneaux, des petites perles blanches.
Nous avons encore des petites perles grises. Nous avons des petites perles vertes comme ça, ce qu'on peut dire. Vous voyez, un petit sachet, sont très jolis. Et un petit sachet de perles roses. Bon, j'en aurais pu en mettre un peu plus quand même. Mais c'est déjà ça. Et donc, j'avais oublié de vous montrer ceci encore une fois de plus. Et ça. Voilà. Donc, je sais à quoi ça sert. Voilà. Et donc là, il y avait ceci aussi. Des petites cordelettes blanches et noires. Voilà. Voilà. Et donc là, la petite notice. Voilà. Et c'est super. Voilà. Et donc, pour finir, j'ai trouvé, comme je vous disais, nous avons la, la planche pour découper de chez Action. Ça, ça vient de chez Action. 2,99€. C'est la nouvelle. Voilà. J'ai vu ça dans vos hauls aussi et dans les arrivages. Donc, je me suis dit, allez, hop, passe par ici. Donc, parce que moi, je cherchais depuis tout ce temps, comme planche, comme ça. Voilà, le plioir. Voilà, pour plier, ce qui est très bien. Voilà, donc là, je ne peux pas vous faire une démonstration. Donc, ça prendrait trop de temps. Donc, à ce qu'ils nous disent, c'est une rogneuse plus raineuse avec lame supplémentaire. Donc, il y a une lame supplémentaire, hein, bien sûr. Donc, j'ai le défait de son emballage. Moi, écoutez, moi, je le trouve mieux parce que l'autre, un massico, il fait les découpes, mais alors, obligé de tricher avec celui de chez Action, l'ancien. Vous êtes obligé de tricher un petit peu. Donc, celui-ci, voilà, comme ça. Donc, après, il faudra faire un crash test, mais je pense vous refaire une petite vidéo. Donc, voilà. Donc, le rose sert à découper et celui-ci sert à plier. Voilà, à faire les pliures. Bref, vous m'aurez comprise. Donc, voilà. Hop, et on referme. Voilà, donc on testera, on verra bien. Voilà, 2,99€. Donc, on verra, on verra. Voilà, sur ce, cette vidéo va se clôturer. Cependant, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai voulu aller assez vite. Donc, sur ce, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Je vous fais des gros bisous. Je vous les envoie. Je vous envoie ce cœur magnifique qui défile vers vous, à droite, à gauche, devant vous. Et sur ce, on se dit à une très prochaine vidéo. J'ai fait une commande chez Yves Rocher. Il y a une petite nouveauté sur une eau de parfum, je crois, oui. Mais je vous dirai tout ça quand je recevrai ma commande. Parce que lundi, c'est mon anniversaire. Et oui, c'est mon anniversaire. Et oui, un an de plus encore. Mais bon, je suis quand même encore jeune. Voilà, donc j'ai pas 30 ans, malheureusement. Et oui, je vous laisse deviner quel âge que j'ai. Bon, il y a une youtubeuse déjà, ou qu'on était en live avec Jérôme Pireuse, qui sait quel âge que j'ai. Donc, voilà. Sur ce, passez une agréable soirée. Surtout, je vous invite à ne pas oublier d'aller voir la chaîne de Jérôme Pireuse pour son fameux concours. Ça serait très gentil à vous de pouvoir vous y abonner. Je vous attends à ce que vous puissiez aller vous y abonner. Ça serait très gentil et ça lui ferait très plaisir. Voilà, parce que c'est vraiment un artiste peintre comme ceci. Voilà. Donc sur ce, Jérôme, si tu passes par là, je te fais des bisous. Voilà. Sur ce, passe une bonne soirée aussi. Voilà. Nous avons bien ri sur ton live hier. Voilà. Donc, voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Voilà, comme je vous ai dit, hein, je vous les ai envoyés. Et on se dit à très bientôt.